Ici Curion, bienvenue et bonsoir. On est reparti à la reconquête de notre planète. J'ai regardé un petit peu la dernière mission que j'ai fait là, qui s'était bien passée. J'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance quand même. Parce que les personnages que j'avais mis dans l'espèce de bâtiment container, j'avais pas prévu qu'ils auraient pu tirer dans leur dos avec les vigilances et ça a quand même bien marché. J'ai eu vraiment du bol. Alors, on va voir ce qu'on a à faire comme nouvelle mission. Contacter le nouvel Arctique. Terminer l'autopsie, c'est en cours. Étudier les communications de la résistance. Oui, d'accord. Bon, on va aller là. Camion en panne. On peut avoir des ressources. Plusieurs membres de la résistance nous signalent des activités que nous devrions examiner. Des ressources. Ouais, pas maintenant. Je sais pas trop quoi faire là. Contacter. Ouais, on nous demande de contacter le nouvel Arctique. Ouais. On prend un ravitaillement et on contacte. Allez. Calcul du nouveau cap du Talion. On va voir. Bon, ça, je sais pas encore vraiment bien bien gérer ce que je dois faire. Alors, le laboratoire. Accélérer tous les projets de recherche. Ça coûte 125 ressources. Wow. On n'a pas grand chose. Relais de puissance. 12 jours. On pourrait faire le relais de puissance après. Ouais, on va faire ça. Laboratoire. Centre de combat amélioré. Ça nous donne quoi? Soldats auront une chance de capacité bonus. D'accord. Ça, on va attendre. Centre de communication. Ah ouais, on a peut-être ça à faire là. Augmente le nombre de régions pouvant être contactées. Bon, dans le laboratoire. Notre système d'alimentation actuel a atteint ses limites. Et nous ne pouvons pas faire plus. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas construire plus d'installations. Ben on fera un labo après. C'est pas grave grave. J'espère. Ça devrait aller. Allez, on y va, on continue. J'imagine que c'était plus facile que votre dernière procédure, docteur. Centrale, commandant. Oui, je trouve le processus nettement moins déconcertant lorsque le sujet est déjà décédé. Quant au résultat, vous devriez voir ça de vos yeux. L'autopsie du capitaine d'Advent a confirmé l'existence d'un implant de conception similaire à celui que j'ai extrait du commandant. Mais il y a des différences. Quel genre de différences? Les données que vous voyez sont directement extraites de l'implant du capitaine d'Advent. Et cette séquence, c'est essentiellement vous, commandant. Ou du moins, ce sont les informations tactiques qu'il faisait traiter par votre cerveau. Comme vous le voyez, les données sont presque identiques. Il vous utilisait contre nous. Oui, toutefois, les données d'Advent sont détériorées. L'extraction du commandant de leur réseau a dû provoquer de sérieux dégâts. Leur réseau? Oui, ce que nous voyons là est un réseau psionique. Ces implants sont capables de recevoir et de transmettre des informations en très grande quantité. Des informations codées dans un flux d'énergie psionique. Voici ma théorie. Advent se sert de ce réseau pour augmenter la réactivité tactique de ses troupes et transmettre ses ordres en temps réel depuis le QG central. Regardez. Le sujet a beau être très diminué, l'implant continue à avoir un effet. C'est une prouesse parfaitement remarquable. Ou une faiblesse. Éventuellement.
mais j'ai besoin d'un accès direct à leur réseau pour en être sûr. J'imagine que ce ne sera pas simple. Il faut une liaison active. On devra donc pirater un officier d'Advent en action. Comme je le disais, ce sera pas simple. Mais ça reste notre meilleure piste. Pirater un bonhomme. À vous de voir, commandant. Ok. Nouvel objectif ajouté. D'accord. Nous n'attendons que votre ordre, commandant. J'ai mis à jour nos objectifs avec les derniers renseignements reçus. Le capitaine d'Advent semble être un moyen de stabiliser le lien entre les subordonnés locaux et la tour du réseau Advent. Commandant, si nous voulons tenter de fabriquer le jack découvert par Taigan, il va nous falloir un centre spécialisé pour le tester. Ok, donc on a ça de nouveau. Ça toujours à 19 jours. Peut-être qu'avec le labo, ça sera bien. 3 jours, allez. Je manque de mots pour décrire les difficultés rencontrées pour gérer cette créature, baptisée affectueusement anonyme par nos troupes. La forme nébuleuse de sa structure physique, qui comprend une couche extérieure pliable à demi-solide, semble se dégrader lentement depuis que la créature est morte. Elle dégage aussi une odeur âcre, qui semble de plus en plus forte avec le temps. Super sympa, hein. Ok, bon bah débrouille-toi avec ça. On retourne là-bas. Et voilà. Alors nous avons récupéré toutes les ressources. Nous mettons le cap okay. Sur le couloir d'Asie de l'Ouest. Commandant, afin de soutenir vos efforts, nous avons réuni des ressources et du personnel supplémentaire. Vous les trouverez dans le QG de la Résistance. D'accord. Bienvenue, commandant. Bonus de scan. Nous aiderons à déplier les salles. Donc ça, comme on déblaye une salle, ça nous donne des ressources. Ouais, on peut acheter ça. Merde. Ils valent combien? 175. Bon, on n'a pas les sous, désolé. Hop. Construction rapide. Ça va faire, on va essayer. Ok. On peut pas la... Non, on peut pas. Alors, si on va ici. Je crois que je peux... Ah ok, vautour. Un abandonne, escouade 1. Taille de l'escouade plus 1. Ouah, ça serait bien. On aurait 5 bonhommes au lieu de 4. Vautour, en vrai ça on va en avoir besoin je pense. Allez on achète. T'es, on est à nouveau sans thunes. Bon, bon, on va essayer de voir ça, là. Convoi en feu. Calcul du nouveau cap du Talion. Ça, c'était pour les ressources, il me semble. On va faire ça, et puis après, il faudra contacter la résistance dans ce coin-là. Je n'aurais jamais pu imaginer un résultat pareil, mais c'est très intriguant. Alors, qu'est-ce que... Je me demande souvent comment les extraterrestres ont pu concevoir cette créature. Existe-t-il un autre monde ? Peuplé de ces êtres métamorphes, ou n'est-ce que le résultat d'autres manipulations génétiques? Ok, merci mon gars. Nouvel objet, balise-leur. D'accord. Alors, on va le faire chercher quoi maintenant? 6 jours, 19, 3 jours, 5 jours. Radio de la résistance. Détendre la portée. Bon, on va essayer. Allez.
Cette technologie devrait nous donner accès à de nombreuses applications extrêmement utiles. Hop. Je vous enverrai un rapport dès que nos recherches seront terminées. Alors, opération Raclan endormi. Tiens, un nom normal de mission. Détruire le relais extraterrestre, facile. Récompense 134. Ça a l'air pas mal. Nous mettons le cap sur l'Asie de l'Ouest. Ah, on y va direct, on termine pas là-bas. D'accord. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça qui s'est soigné. Équipement. On va lui rajouter... On va lui remettre sa grenade. Bon, c'est le même stat, ça. Ok. Ensuite. Elle. Ah oui, c'est pas comme ça qu'on fait. Amélioration d'armes. Chargeur. Sur elle ou sur Ranger ? Qui est Ranger CL. Ouais. On va essayer. Hop. Ok. On avait qu'un équipement, il me semble. On a les 4 grenades. Lui qui lance loin. Elle qui peut faire un soin avec son gremlin. C'est parti. Oracle endormi. Vite avoir un sergent, ça serait bien d'avoir un sergent sur cette mission pour avoir le plus 1 là dans les squads, ça serait parfait. Le docteur Taigan a détecté le signal d'un relais de communication extraterrestre caché qui envoie un flux régulier de données au réseau d'Advent depuis cette zone. Tout ce que nous ferons pour perturber leur logistique augmentera nos chances de les arrêter. Nous devons sécuriser la zone et éliminer les ennemis. Puis détruire ce relais avant la fin de la transmission. Ok. Apparemment c'est loin. C'est parti. Menace 1-5, le relais de communication est droit devant. Allez-y et détruisez la cible. On est caché, parfait. Bon, comment se fait la carte? Ici, c'est un bord. Ici, on peut être détecté. Il va y avoir du monde dans la maison. Si on fait, on pourra ouvrir le combat, il y a peut-être du monde là-dedans. Vu que ça nous dit qu'on peut être détecté. Ah ouais non, c'est si on ouvre la porte, c'est vrai. Haha. Le tueur d'élite. Toi. Est-ce qu'on peut te mettre à un endroit intéressant? Viens ici. Je crois qu'il a vu quelque chose. Ah, c'est un civil. Un civil. Là-dedans, c'est quoi? Du civil. Les civils bougent pas, hein, donc ça devrait... on peut y aller. Bon, j'aime pas cette maison, là. Je crois que je vais partir tout le monde par là.
en paquet. Hop. Pour l'instant, tant qu'il n'y a rien. On en profite. Et toi, par ici. J'ai cru qu'elle allait foncer dans la fenêtre ou faire une connerie. Le tireur d'élite. Tu vas venir... ici, dans un premier temps. Ah, merde, c'est le grenadier. Superbe. D'accord. C'est bon, ça. Nos Gremlins peuvent tenter d'accéder au réseau d'Advent. Nous pourrons peut-être pirater leur système pour prendre l'avantage. Ouais, on peut mais pirater attention, ça. S'ils nous repèrent, les choses ne feront qu'empirer. Alors... on va te placer gentiment là. Toi... ah merde, on a un nombre de tours, j'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Vigilance. Et toi, ici. En même temps, vigilance, là, ça servira à rien. On les voit plus. On ne les voit plus. Ouais, ils étaient là-dedans. Comment on peut y prendre? Alors... toi... vigilance. Toi... j'aurais peut-être pas dû parce que là je viens de le bloquer. L'accès. Toi... je vais nous balancer une grenade. Non, ici dedans, on le tente. On a deux grenades, hein, donc après si ça bouge en face, on va te mitrailler de partout. On en a touché un. Rien de plus se passe. Rien de plus se passe. Ok, 5 tours. Toi, tu vas venir ici. Oh, il passe à côté, c'est bon. Qu'est-ce que tu vois, mon PPR? Rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. On va te mettre en vigilance. Toi, est-ce que tu peux venir ici? C'est quoi ça? Non, c'est la tour, ça, maintenant. On va te mettre... en vigilance aussi. Tireur d'élite. C'est toi. Vigilance. Ranger. Ici. En vigilance.
Bon, c'est bizarre, j'ai pas encore d'extraterrestres qui arrivent. Ah, on l'a. Une autre grenade. La grosse zone. Vas-y. Ça, lui, il est mort. On a pété les murs. Toi, tu peux peut-être faire un tir ciblé. 60, on tente. Il a déjà eu beaucoup de chance, insectoïde. Très bien. Très très bien. Et tu vas te mettre en vigilance. Alors, moi j'aimerais bien récupérer ça. Mais je vais prendre des risques. Si je la mets ici, est-ce qu'elle peut lancer une grenade? Non, trop court. Bon, vigilance. Il lui reste 3 balles. Menace 1-5. La transmission extraterrestre se poursuit et nous allons manquer de temps. Rejoignez ce relais et détruisez-le, vite! Oui, ben on essaye, monsieur. Allez, essaye. Bien joué. Ouais, est-ce que tu peux tirer sur quelque chose? Non, tu peux tirer sur rien. Alors, toi, on va te faire aller jusque là. Il faut que je ramasse ça. Ok. Un noyau d'hélérium, je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça doit être bien. Si, lui... Lui, je vais le garder en vigilance encore. Hein. Toi. La ranger. Non, je peux rien faire. La ranger, je peux rien faire. Je peux rien faire, lui. Je peux rien faire. Oh, lui, il faut que je lui assigne un truc. Heureusement que le jeu m'aide là-dessus. Donc toi, tir d'arme. Vas-y. Arrive-y. Superbe. Neutraliser toutes les cibles ennemies. Menace 1-5, destruction du relais confirmée. La transmission a été coupée. Éliminez les ennemis encore présents et évacuez la zone. On évacue où? Donc là, en fait, j'ai l'impression qu'on a tout le temps qu'on veut. Ok. D'accord. Toi, là. En vigilance, pistolet. Toi... Tu vas remonter ici. Ouais. Vu que là, en fait, la flamme rouge, c'est pour nous indiquer où ils vont amener des renforts. Donc, on va faire un comité d'accueil de peloton d'exécution. Demi-couvert, demi-couvert. Ici, trop loin. Bon, bah, demi-couvert partout. Viens ici. Vigilance. Ok. Combien? 3. En arrivant du ciel, ils nous ont pas vu là. Bien, bien, bien.
Eh ben. Promotion, parfait. Aïe. Ah, y en avait aussi là, zut. Lui il est. Je sais pas s'ils sont en vigilance ou quoi. Ta grenade, tu peux en faire quoi? Non. Ta grenade. Tu ne l'atteins pas, d'accord. On te la donne non plus. Ok, donc non. On va voir ce qu'on peut faire. Déjà, il nous faut éliminer celui-ci. Celui-ci, toi. Ce personnage, est-ce qu'on peut aller mettre un coup de couteau? Ouais. C'est parti. Hop, vas-y. Bon, ça devrait passer. 3 points de vie là, normalement. Ça n'a pas déclenché de vigilance, donc c'est que ça doit aller. Tir d'arme, on a quoi? 52 et l'autre 33. Maintenant, si on prend lui. Il n'a plus qu'une balle. 49. J'irais bien le mettre le planquer. Je peux le planquer là. Ah. Bon bah essaye hein, tant pis. Allez, vas-y. Aïe, 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 aïe. Bon, je crois qu'on va avoir un blessé. Le tireur d'élite. Ici, il en a deux en ligne de mire. Vas-y. C'est combien? Il peut pas ou quoi? On dirait qu'il peut pas. Bon ben. Ah, vigilance au pistolet. C'est dommage. Et Juanita. Alors Juanita, je vais peut-être lui dire de faire une vigilance. Ouais. Je suis un petit peu. Aïe aïe. Raté. Aïe. La ranger qui a morflé. Ouf. Bon, lui il a plus de balles et il a plus de munitions. Ici on a tout vidé, donc il reste plus que les deux clampins là. Toi. Aller lacérer quelqu'un. Ouais, va le lacérer. Allez. Ouais, bah le chargeur amélioré, j'aurais pas dû lui donner à elle. Hein. Promote. Bien. Toi, la grenade, ça passe là maintenant. Cadeau. Menace 1-5, statut parfait. Confirmé. Tous les ennemis sont morts, la zone est sécurisée. Menace bon, un gros 1-5, blessé quand même. Confirmé. Mission accomplie. La ranger, c'est dommage. On a ramassé un objet, donc c'est bien. On
pourra mettre... je crois que j'ai un deuxième ranger. Ah bah oui, j'ai Rafale, notre polonais nouvelle recrue là, qui avait bien marché l'autre fois. Allez, on rentre. Bah si elle est... Ouais, non, faut voir un peu combien de temps elle va mettre pour se rétablir. Mais si elle est pas rétablie, ben ce sera l'autre que j'intégrerai au commando d'élite. Enfin, le commando numéro 1. Peut-être que j'ai un sergent. Les extraterrestres ne s'attendaient pas à un tel combat. Vous m'impressionnez, commandant. Sergent, voilà. Alors, à la quoi? Tout en étant camouflé, bonus de visée plus 25 et bonus de coup critique plus 25, d'accord. Déclenche pas les tirs. Les tirs réflexes. Donc ça pourrait permettre de traverser tout un tas de soldats en mode vigilance pour aller en abattre un qui nous embête. Et ça, faut être camouflé. Bon, je suis pas le roi du camouflage avec mes bonhommes. Allez, marche furtive. Blessé 3 jours, bah ça va, pas grand chose. Et notre super tireur d'élite. Œil de lynx, tire avec une petite pénalité de visée, mais une augmentation des dégâts. Ok, et main fulgurante. Tire de pistolet sur une cible, l'attaque ne coûte aucun point d'action. C'est très bon ça. Vas-y. Donc ça me fait un tir gratuit au pistolet. Le pistolet a pas besoin de munitions, j'ai l'impression. Parfait. Quatre cadavres, un blessé léger, 3 jours c'est léger. Vous avez porté un merci coup la sérieux voix aux extraterrestres avec votre équipage, commandant. Très impressionnant. Il est content. Alors, on avait... C'était ici, hein. Nouvelle tactique de combat. Escouade 1, escouade 2, c'est quoi là? Il faut un lieutenant. Escouade 1, ouais, on achète. Attaque éclair. La mobilité des unités augmente de 3 pendant les deux premiers tours du combat. Ça veut dire qu'on a 3 points de déplacement tant que l'escouade reste cachée. Ah, ça peut être bien, ça, c'est sur les missions où on arrive caché, comme celle-ci en fait, où on peut se déplacer un maximum avant d'engager le combat. Ça peut être bien. C'est combien? 100. On n'a plus que 119. Ouais, on verra après. Parfait. Bon bah parfait pour cette mission. J'espère que ça vous aura plu, et si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker ou à même à vous abonner, ça m'encouragera, ça me fera plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine mission dans quelques jours. À bientôt, ciao, c'était Curion.